Avec ses deux salariés et son apprenti, Patrick est un patron heureux. S'il aime son métier, c'est qu'ici, chaque pièce réalisée est unique, comme par exemple ce meuble sur mesure, qui rejoindra bientôt un bureau. Au premier plan, un élément de décoration pour un dessus de table. Une table contemporaine en sycomore, avec l'association de marqueterie, donc feuilles et fruits du sycomore, la Samar. Autrement, là, on a un meuble de complément de cuisine qui est complètement différent, hein, tout en habillage de stratifié aluminium brossé, hein, qui a été fait à la demande du client. Là, j'établis le bois. Là, Patrick prépare un cadre de miroir. Un peu plus loin, Blandine, elle, termine un îlot central de cuisine. La plupart des morceaux sont là. Donc là, on a les battants de porte avec les traverses, la plinthe et les autres panneaux, donc les côtés, les dessus, tout ça, c'est là-bas. Voilà. Blandine a 17 ans, elle est en apprentissage ici depuis 3 ans et tout comme son patron, elle aime ce métier aussi pour les mêmes raisons. On ne fait jamais la même chose et c'est vraiment ça qui me plaît, c'est qu'on change tout le temps et j'aime pas tout le temps faire la même chose, travailler à la chaîne, c'est pas mon truc. Donc ça, c'est vraiment un métier qui me correspond. Voilà, j'ai trouvé ma voie, on va dire. Chambre à coucher, bibliothèque, terrasse, table, brouette, escalier, le métier d'ébéniste évolue avec le mélange des matières et plus que jamais avec une diversité de créations très contemporaines.